Bienvenue pote, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça j'espère. On se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Le bon matériel pour débuter en dessin. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Cette vidéo, je ne me prends pas pour le pro. Même moi, je fais encore beaucoup d'erreurs. J'ai pas le matériel tout ce qu'il me faut. J'ai des quelques crayons à encre. Donc, déjà, ça. Je suis déjà un petit peu plus heureux. Mais bon, mais c'est pas le truc le plus ouf quand même. J'ai quelques trucs à encre. Donc, ça va me servir déjà pendant 1 ou 2 années. Donc, on va commencer. Donc, déjà. Prenez des mines pour les critériums. Ça et les critériums, c'est très important. Donc, faut trouver des paquets de 4. Les paquets de 4, c'est bien. Moi, j'en avais un jaune, un rose, un bleu et un orange. Donc, le orange, je sais pas où il est foutu. Je sais pas où je l'ai foutu. Le rose, d'ailleurs, les mines, il va falloir que j'en remette une. Ouais. Donc, prenez des critériums. En plus, les mines, regardez. 7 mm, c'est parfait. C'est parfait. C'est bien pour les dessins et c'est fin. Donc ça, mais ça va. Deux gommes. Voilà. Moi, j'utilise cette gomme-là. Il n'y a pas de style de gomme. Après, bah, je peux pas en vous conseiller une, à part les gommes toutes blanches. Elles sont pas mal. J'en ai notamment utilisé une pour le dessin que j'avais fait montrer. Franchement, elles sont pas mal. Donc, les gommes, ça va. Ensuite, forcément, pour ceux qui dessinent au stylo, je conseille pas le stylo. C'est pas quelque chose de ouf. À part pour ceux qui font des portraits. Tutoru, il a montré. Stylo bille bleu et noir. On peut faire de très beaux portraits au stylo bille. Mais c'est pas le truc que je recommande. Après, parce que le stylo bille, c'est moins fin que le truc à encre. Donc bah après, c'est comme vous voulez, mais c'est bien quand même à utiliser. Ensuite, crayon à encre. Alors là, je peux vous en conseiller quelques-uns. Donc, il y a plusieurs trucs. Donc, on a d'abord ce style-là, qui est déjà pas mal. Donc, forcément, on a une réserve à encre assez moins élevée. Attendez, désolé que vous voyez comme ça, mais c'est parce que je tiens un portable et c'est très compliqué. Pour tenir un portable. Donc vous voyez, moi c'est ça tient pas beaucoup. Voilà. Attendez, à tout de suite. Ok, donc vous pouvez voir le noir, il n'y a pas beaucoup d'encre. Le bleu, c'est celui où il y a le plus en fait, c'est pas beaucoup d'encre. Contrairement à d'autres trucs, je crois que vous connaissez, mais je vous montre après. Donc là, il y a le bleu où j'en ai plus. Après, c'est le rouge où j'en ai un petit peu plus. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais reboucher, puis je vous dis tout. Et pour le dernier truc. Ok, donc creux, donc voilà. Donc ça, je conseille bien. C'est assez pratique. Et le dernier truc. Ça, c'est super bien. C'est ce stylo à encre. Celui-là. Celui-là, il est top pour les dessins, il fait des traits bien fins. Bah, c'est quoi, d'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez, ma grand-mère m'a acheté ça. Donc, des packs de 3, il y a soit les stylos qui sont comme ça, vous voyez, le bout il est pas pareil. Là, ici, il est à moitié, bah, moitié carré, alors que là, il est rond, le bout. Donc, là, il y a des stylos comme ça. C'est compliqué parce que tout est dedans. Et ça. Voilà, donc c'est encore comme ça. Du coup, ma grand-mère en a acheté plein. Donc là, je pense que j'en ai pour des années. Ah, le machin s'arrache. Bon, ce n'est point grave. Et là, du coup, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est un nouveau parce que de base, en fait, moi je les mettais dedans. Sauf que bah là, voilà. Donc là, il y en avait encore un paquet comme ça, ce qui donnait ça. Et du coup, bah, il y en a un dernier paquet qui donne ça. Donc là, vous avez les paquets de deux.
Un deuxième paquet de 2. Et 2 paquets de 4. Donc ça, je vais mettre ça dedans. Tac. Et donc voilà, le petit stylo à encre. Et donc voilà les potes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le matériel que je conseille pour le dessin, c'est pas obligé. Après, le Critérium, c'est quand même pas mal. Ça permet de faire des traits assez fins. La gomme, vous êtes obligé, mais moi j'utilise cette gomme-là. Après, il y a les gommes blanches qui sont pas mal. Il y a la gomme mi-pain aussi, mais alors bof bof celle-là. Vous avez les stylos pour ceux qui font des beaux portraits. Des stylos comme ceci et celui-là qui fait des traits très fins, mais ceux-là font des traits pas mal, mais ils sont un petit peu plus gros, mais bon. Je vais pas parler de ça, mais ceux-là, enfin, le noir, je préfère ne pas l'utiliser, je préfère mieux les garder. Et quand j'en rachèterai, ceux-là, je les viderai, et puis voilà. Voilà. Donc, les gars, n'hésitez pas à liker, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager ou à s'abonner sur les gars. Je vous dis ciao, ciao. Sur cet endroit et le marqué où j'habite. Essayez de trouver. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire à votre ami où j'habite. Je rigole, bon. De toute façon, vous saurez pas, j'habite ni en Bretagne. Je sais pas quoi, en Pays de la. Pays. Non, c'est Pays de la Loue. Dis Loire ou Loué? Bref, je connais pas ce. Enfin, bref. Vous ne saurez jamais. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner sur les gars, je vous dis ciao, ciao.